Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que oui, bah aujourd'hui on va faire un haul action. Allez, c'est parti! Comment te dire? C'est la course, c'est la course, c'est la course. Je devrais faire une chanson comme ça, c'est un truc de fou. Je sors du travail, j'ai foncé à Action, je voulais voir s'il y avait des nouveautés. Je t'avoue, c'est une déception, voilà. Hein, il n'y avait pas grand-chose, c'était un peu pourri, j'avoue, j'avoue. Mais j'ai trouvé quelques babioles parce que bien sûr, après My Birthday, eh ben, c'est l'anniversaire Alena et il fallait que j'achète quelques décorations. Avant de continuer, n'hésitez pas comme d'habitude à me soutenir, vous pouvez liker, partager, vous abonner et me rejoindre aussi sur Instagram. Je tenais justement à vous remercier parce qu'en dessous de mon dernier vlog et ma photo Instagram, vous avez été très très nombreux à me souhaiter mon anniversaire. Donc je voulais vous dire merci parce que je sais pas, j'ai pas eu le temps de répondre encore à tout le monde et peut-être que je vais louper votre message. Donc je tenais à vous le dire, merci du fond du cœur. Et bah écoutez, ça m'a touché, ça m'a fait très plaisir. J'ai enlevé les lunettes parce qu'il y a le reflet. J'ai pris ça, c'est pour l'anniversaire à Noam. Pourquoi bleu ciel? Parce qu'il n'y avait que ça. Ils sont en promo à l'entrée, il y a plusieurs couleurs. Et en fait, vu que lui, j'ai pris un thème un peu multicolore, ça a coûté 2 euros et quelques, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, pour Léna, j'ai pris ça. Donc ça sera collé en décoration. J'ai pris couleur argentée parce qu'on part sur le thème Elvis Presley. One for the money, two for the show. Pour ceux qui viennent d'arriver, oui, Léna est fan d'Elvis depuis qu'elle a vu le film avec... Comment il s'appelle déjà? Ashton, je crois, Ashton, je sais plus. Je vous mettrai la photo. J'avoue, il est pas mal. Mais voilà, pris une couleur argentée comme ça. Je prends au fur et à mesure. Après Léna, le 27 juin, c'est Noam. J'ai pris un cerf-volant Spider-Man. Quoi, non, c'est super-héros. J'ai toujours dit qu'on en laisserait un dans la voiture au cas où on va au bord de mer, il n'y a personne ou quelque part. Voilà. Sachez qu'il y en a Action. Et moi, je sais, quand j'étais petite, ma mamie m'emmenait au bord de la mer. Ceux qui viennent du nord, vous connaissez sûrement le Touquet. Et j'adorais faire du cerf-volant au bord de la mer. Et tous les ans, bien sûr, il y a la fête du cerf-volant à Berck. C'est sympa comme tout aussi. On continue dans la déco argentée. Un rideau. Et c'est bien parce que c'est argenté, mais mat. Voilà, petit effet Elvis Presley. On reste dans le thème. J'ai pris ça pour Eden. Bon, c'est pas de la marque, c'est OptiSmile. Donc, j'essaye de trouver des astuces pour qu'il se lave les dents et correctement. Voilà, parce que vu qu'il a un problème de motricité au niveau de ses mains, en fait, quand il tient la brosse à dents, c'est mou. En fait, déjà, il se fatigue très vite et il n'arrive pas à faire les bons gestes. Donc, il m'a dit, maman, pourquoi tu m'achètes pas une brosse à dents rotative comme ça? Donc, le but, hein, c'est. Ouais, c'est vrai que normalement, ça devrait aller mieux. Là, c'est en promo quand tu rentres dans le magasin Action à 8 euros et quelques. J'ai dit pourquoi pas. Il est fourni avec 3 brosses de rechange et 2 minutes auto-timer. Ah, je crois qu'il y a un timer de 2 minutes. Ok. Je ne sais pas. Je vous ferai un petit retour si c'est un fail le truc. Je l'ai pris pour mon petit Eden. Pour mon petit Eden aussi, j'ai pris ça. Alors, c'est une box food, hein, c'est pour mettre à manger. Tu peux l'enlever ou le remettre. Il y avait différents coloris. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que si vous n'avez pas regardé mes vlogs, on a une petite victoire. C'est que je vais pouvoir ramener les repas au collège directement. Et il va pouvoir manger enfin quelque chose à la cantine. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, il va déposer sa box au cuisinier. Et à midi, quoi, à son heure de repas, il va pouvoir le faire réchauffer et manger ce que je lui ai préparé. Parce que vu qu'il a un trouble de l'oralité et qu'il mange rien, ça fait des années que je paye la cantine pour un bout de pain, hein, c'est le cas de le dire. Là, on a pu mettre ça en place parce qu'en fait, dans le dossier MDPH, c'était bien marqué trouble de l'oralité, tout ça. Mais elle m'a dit, bah, ça aurait dû être mis en place depuis très longtemps, ce truc-là. Bah, je dis, moi, je sais pas. Hein. Je suis comme beaucoup, hein, j'apprends sur le tas. Et voilà, donc j'ai pris ça pour lui réchauffer. Et normalement, j'ai vu que ça va jusqu'à moins 80 degrés, plus 80, non, plus 80 degrés. Donc tu peux le faire chauffer au micro-ondes. Ça va partout, quoi. Elle est assez grosse, c'est pas mal. Pour l'anniversaire à Noam, j'ai pris ça, donc dans le rayon jouet, un Transformers. Tout simplement parce qu'il a vu le film et il a kiffé. Donc le tout premier. Donc j'ai pris Bumblebee. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, Bumblebee. Je l'ai kiffé. Ah, on a tous aimé les Transformers. Même nous, petits, on les avait. Et moi, j'adorais ça, quoi. Les démonter et les remonter en voiture, c'était trop bien. Ensuite, pour Léna, parce qu'elle arrête pas de me voler mes prises. Donc j'ai pris une prise comme ça. Il y en a 4, je pense, 3. C'est en promo en TG. Et voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour les anniversaires aussi. Ça, c'est plus pour Noam. On part sur un thème plein de couleurs. Pour mettre des bonbons, des petits trucs. Parce que, bah oui, là, c'est un enfant. On va lui acheter quand même quelques bonbons et tout ça. J'ai pris ça. Vous savez, mon dope qui sent le cassis, qui sent les bonbons créma, là. J'ai pris un masque. Alors, celui-là, c'est la première fois que je le vois. Vitamine complexe, ok. Et c'est un masque visage et cou, vous voyez? Ça va pour le cou et le visage.
Moi, si je veux bien vos astuces, c'est les rides de torse, là, vous voyez? Alors, moi, je pense que j'ai attrapé ça parce que j'allaitais mes enfants très longtemps, surtout Eden, je l'allaitais 2 ans et demi. Je fais ce que je veux, hein. Je veux rien entendre à ce sujet, je m'en fous. Vu que j'allaitais et je faisais du cododo, je dormais à gauche, à droite, à gauche. J'ai l'impression que ça s'est plissé à ce niveau-là. Si vous avez des astuces pour un peu diminuer cet effet ride, c'est pas terrible. Moi, je les veux bien. Et là, bah, c'est pour le cou. Le cou, ça va encore. Pour l'instant, ça va. Mais bon, après, faut hydrater, c'est important. J'ai pris du Terexil parce que bah, avant, je prenais tout le temps ça. Et là, bah, je suis retombée dessus. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et voilà. J'ai pris deux dentifrices parce qu'ici, ça part très vite. Et celui-ci. Donc celui-là, c'est Design Edition. Voilà. Un gel douche à la pêche. C'est pêche, hein. Pêche blanche et nectarine. Ok, ils sont super bons. Il n'y avait pas grand-chose en gel douche. J'ai pris des masques pour les yeux. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. C'est censé un peu te rafraîchir. Je suis tellement épuisée que je pense que je pourrais dormir 2 jours. Ce matin, je me suis levée, ça se voyait vraiment. Et là, je vois que la fatigue s'accumule. Et je me repose jamais, en fait. Je vous assure, jamais. Et j'ai toujours un truc à faire. Et à force, mon corps va lâcher, hein, je te le dis. Des bandelettes comme ça. Alors moi, je les aime bien, celles-là. Il y en a qui détestent. Je m'en sers pas forcément pour les jambes. Je m'en sers pour la moustache. Oui, Bibi, elle a plein de duvet, c'est horrible. Je dis pas que j'ai de la moustache noire, hein, mais j'ai du duvet que j'aime pas. Donc ce que je fais, je prends un ciseau, je fais des lignes, je les frotte. Parce que vous en avez des spéciales, petits endroits, mais tu payes le double. Tu prends ça, tu le coupes et puis tu le fais toi-même, quoi. Non, ouais, franchement, on s'en fout. Ensuite, j'ai pris des nouilles, des gobelets, on s'en fout. J'ai repris des cookies à la crème. Voilà, c'est cookies sensation. Les petits ont adoré ça, franchement. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Juste voilà quelques décos, un peu de jouets. J'en ai eu quand même pour plus de 40 balles. Donc oui, je pense que Action vraiment a gonflé les prix. Et j'ai envie de vous faire un petit comparatif. Dites-moi si vous voulez en commentaire, ça peut être une idée vidéo. Vous savez que parfois je compare les tickets de caisse d'il y a 2 ans ou 1 an en arrière par rapport à maintenant. Et il y a des augmentations, 30%, tu vois, un truc de fou. Est-ce qu'à Action, on se fait pas berner, parce que malheureusement, c'est comme ça partout, tout a augmenté. Juste voilà pour voir, putain, avant, je payais le PQ 2 balles, maintenant, il a 6 euros, tu vois. J'aimerais bien, tu vois, savoir. Je ne sais pas si vous voulez ça. Dites-le-moi en commentaire, que je ne me prenne pas la tête à comparer, à chercher tout ça. Voilà, je veux vos avis, surtout en commentaire, dites-le-moi. Donc voilà, ce haul est fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à encourager cette vidéo, à m'encourager, à la liker, à la partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, merci pour tous vos gentils commentaires. Je les lis, je lis au maximum en tout cas. Vraiment, je prends. Alors certains me disent, oui, tu me réponds avec un cœur. Alors sache-le, toi qui me critiques. Entre Instagram, TikTok, bon TikTok, je réponds même pas parce que voilà, parce que sinon j'ai plus de vie. Mais entre Instagram et YouTube, par exemple, ce week-end, j'avais plus de 1000 messages. Si je réponds en individuel à chaque personne avec une phrase, mes enfants, je les abandonne, tu vois ce que je veux dire. Je ne fais plus rien chez moi, c'est mort. Mais je lis et je mets un cœur, c'est pour vous dire que bien oui, j'ai bien lu et que merci quoi en fait, hein, c'est ça. J'espère que vous le comprendrez et parfois quand vous me posez une question, j'essaie d'y répondre quand même. Donc voilà, je vous retrouve à très très bientôt les gars. Allez, que la force soit avec moi. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous, ciao!